L'heure est grave, les amis. Toutes les filles des animés qui nous font rêver. Non, je suis pas puceau. Ont été censurées. Censurées. Devant quoi vais-je me toucher chaque soir? Nous devons les libérer. Nous sommes sur Busted. Busted, c'est quoi cet âge dans lequel on va libérer toutes ces pauvres filles censurées? Mais papa n'est pas d'accord et papa va essayer de nous en empêcher et nous devons être discrets. Game on. Jour 1. D'accord, donc on y passe des jours quand même hein. Donc je pense qu'on peut peut-être changer d'onglet juste. Ok, donc on envoie plein de trucs pour les libérer. Et il y a papa qui peut arriver de plusieurs endroits. Et je pense qu'il faut... Écoute. Oui. Je photoshop ce poisson, papou. Ok, c'est bon. Oh le bâtard, le robot aspirateur qui met la pression, fils de pute. Eh mec, c'est super long. C'est super long de bloquer l'illustration. Mais pourquoi on irait pas sur Google et on tape fille animée? Oui. J'ai fini le poisson, je suis au hibou. Laisse-moi travailler, je suis graphiste en... Eh, ça va! Ah, le chien de merde, fils de pute! Attends, j'ai entendu du bruit, il est au grenier! Mais papa! Mais ça va pas! Genre le courant d'air qui ouvre le grenier! Mec, c'est trop stressant, c'est abusé! Non, mais ça va, ça va! Putain de chien de merde, j'ai toujours voulu un chat de toute façon. Il y a eu un bruit. Il y a un bruit que je connais pas. Une sorte de couinement, c'était en vrai? C'était. Qui vient m'empêcher de libérer les filles nues? Et c'est fini. Yes. C'est la folie. On a libéré Samantha, les amis. Le devoir nous appelle. Il pourrait y avoir Sakura là-dedans. Ou peut-être même C18. Ok, on continue. Jour 2. Putain, c'est génial. On est le héros de l'animation japonaise, mec. C'est incroyable. Oh, j'ai failli me foirer. Oh, le placard, mais attends. Non, mais mon père va pas être dans le placard. Comment il a traîné dans le placard? Il y a un conduit qui relie le placard à la cuisine, c'est ça? Putain, mes petits copains. Et pourquoi j'envoie des seins pour libérer des n'importe quoi? Oh, c'était limite. On libérera Véronique. On est bon. Allez. Ah, putain, il enchaîne, il met des fins, il est fort. Papa, tu veux pas juste travailler et gagner ta vie au lieu de faire ça? Oh, j'avais pas envie de recommencer. Oui! Mon dieu, on en a deux! On les libère, telle la reine de neige! Délivrée! Grâce à moi, vous pourrez télécharger librement ces illustrations, bien évidemment. Jour 3! Papa est plus psychopathe que jamais! Il ne dort plus, ne travaille plus, il ne. Oh là là! Oh là là, l'écran, mec, c'est quoi ça? Oh là là, la télé, mec! Ah, ça met les infos, ça feinte! C'est quoi le téléphone? Faut que je réponde? Faut que je réponde. Ah non, c'est-à-dire qu'il est dans le placard, ça? J'espère que j'ai été adopté. Mec, ça devient une difficulté, c'est abusé, c'est plus dur que Dark Souls! Ah, oui, j'ai crié à Romain. Ah, chez Caroline, elle a commencé comme ça, elle sauvait des mecs des animés et à côté, elle écrivait Harry Potter, hein. C'est alors qu'Harry Potter arriva devant le château. Allez, papa, tu peux pas test mon skill! Oh là, il en reste un! Oh putain! Oh, il a failli pas avoir la policière! En plus, les élus, elles sont pas du tout exceptionnelles, mec. Franchement, je suis sûr, si je fais un tweet dessiné, une fille très jolie d'animé, vous faites mieux que ça. Oh là là, mec, il y a trois éléments d'un coup, mais faut arrêter là. Il y a de plus en plus de cas, j'ai l'impression, non? Je rêve? Oh, il sort de plus en plus vite, par contre, ça c'est vrai. Ah! J'ai peur de perdre le sang, mec! What the fuck? Tu t'es fait choper. Il est l'heure de parler. Papa, c'est pas parce que tu as du mal avec les femmes qu'il faut m'empêcher de les délivrer. Elles sont dans une prison de couleurs. Tu comprends? Continuez. Ah, je peux pas continuer. What? Ça a rien sauvegardé? Mais non, c'est un sketch. Ne dis pas jour 1. Quoi? Non! Non! Samantha! Véronique! Oh! Putain, j'articule même plus. J'espère que ça vous a plu, c'est quand même, n'hésitez pas à aimer, comme d'habitude. Je voulais vous montrer ces jeux trop
bizarre. Mais qui me font, mais ça me fait marrer. À chaque fois que je cherche des jeux indépendants sur Steam dans la catégorie indépendant ou petits jeux, j'en vois plein défiler. Des fois c'est des simulateurs de rencontres. Il y en a un, c'est tu joues au solitaire et si tu gagnes, la fille est de moins en moins vêtue. Et c'est que du dessin, donc y a rien de méchant là-dedans. Mais je trouve ça super bizarre et un peu malsain. Enfin, quitte à passer des heures devant ton PC, autant jouer à un vrai jeu. Et puis si tu veux voir des filles d'animé, tu tapes sexy anime girl. Voilà. Aujourd'hui on a fait de la sociologie, on a étudié ce phénomène qu'est les anime girls sous forme de jeux vidéo. C'était palpitant. Y compris pour notre bite. J'aurais dû éviter. Allez, on se retrouve au prochain vidéo, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao tout le monde. Peace.